bonjour à tous. Donc on se retrouve pour l'essai d'une... Comment ça s'appelle la roue? Ouais, c'est une Merlin Roadster, je crois. Donc voilà, une Merlin Roadster, donc c'est un petit Roadster anglais, une décapotable. En fait, bon, je vous éteins. Elle est en panne. Donc au final, la voiture, elle a pu redémarrer. C'est un problème de fusible apparemment. Les câbles qui ont cramé, il a trouvé le problème. Donc là, on se retrouve sur le parking de Leader Price, meilleur endroit au monde, et on va aller... Ah, vous verrez, surprise. Aussi, il y aura une présentation sur la chaîne de cette voiture, la Ford Focus. Donc c'est mon délit, on va dire. Elle est vraiment bien. C'est la voiture dont je m'en sers tous les jours, et c'est une voiture parfaite. Très bon châssis, très bonne direction, très précis, très bonne consommation. Elle chauffe pas, et on l'a eu pour un prix vraiment bien. Ah, il fait chaud à sortir. Wow! Fou! C'est différent de la Dacia. Oh, regarde là! Tout dit! Moi, ça me fume vraiment. Sur les nationales, et t'as des petites voitures de ville comme ça. Y'a qu'un Sergile hein, d'ailleurs qu'on voit ça. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de la France métropolitaine? Y'a des Twizy, y'a des petites voitures sans permis, les gars ils arrivent comme ça au collège et au lycée. Enfin, sur Highland, les gars. Faudrait peut-être qu'on prévienne maman, non? Quartier des gens aisés, il passe à bord et après on va qui est à elle passe devant. Ok, carré. On va aller à la station. Oups. Avec sa voiture de la BAC là. Il y a toujours quelqu'un. Ah bah non. Ah bah bien sûr. Attends, lui il s'est arrêté alors qu'il avait mis son pignon. Pas mal hein, pas mal. La conduite, elle clignot et tout. Là on rentre dans la station. Conduite accompagnée, faut pas le stress. Mais non, il fait un peu vieux quand même pour une conduite accompagnée, non? Calvitie. Ah, c'est carré, pas le temps. Moi je suis un chien. Hein? Voilà. 12 seconds later. Ça, c'est la vie. Sans ça, je ne suis personne. Et moi alors? Ça va rien. C'est quoi toi? T'es le monteur? Vous voyez pas son visage, mais il est... J'aime pas les couilles. Du coup, parking Leader Price, qu'on appelle papy. Tchuss. J'ai réussi à trouver la panne. J'ai mis le doigt sur la pompe, je ne sentais pas la pompe vibrer. Je regarde ma boîte à fusibles, j'avais un fusible de cramé. Et t'avais un fusible avec toi? Ouais, j'en ai. J'ai toutes sortes de fusibles, sauf que j'ai pas de tournevis, ainsi de suite. J'en avais qu'un de 25, je vais pour le mettre. Il m'échappe, il tombe dans le moteur, introuvable. Je regarde, j'avais un deuxième de 15, je l'ai mis. Et puis hop, ça a démarré. On va faire un tour. Bah, tu nous suis. Vas-y, lève. À l'horizontale, là, sans ça, elle ferme pas. Là. Ok. Donc là pour démarrer. J'avais gardé contact, pompe, ventilo. Ouais. Je vérifie tout ça, mais bon. Ok. Ça fait tourner les têtes, hein. Ok. Alors, Evan, ça va être un truc, hein. Je te dis. Donc là, les gars, ça c'est le frein. L'embrayage, il est dur, ça va. C'est dur. T'enlèves le frein. Je mets la première, comme ça. Et là, on y va. Yay. Ah, c'est bon, j'ai vert. Là, je vois rien. Pare-brise, il est dans ma gueule. Voilà. Pas trop, mec. Il y a pas trop. Ça freine à fond, mais il faut appuyer fort. Mais du coup, il n'y a pas la baisse. C'est une expérience, hein.
chaud, mais. C'est vraiment chaud, mais t'as de la force dans les jambes, papy. Il est trompé partout. Allez, t'attends. Ok, y'a pas à gauche, y'a pas à droite. J'avais calé. Oui, j'ai vu. C'est qu'est-ce là? Mais c'est beau. Oh là 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 là. Ah, c'est un truc. Il y a de bouger. Là, pour être regardé, mon gars. Hop. Là, je mets la 2. Bon, là, je suis en 4. Là. Ah, ça l'a percé. Bah oui, regarde. Tu vois, c'est le vase d'expansion. Ah, ça tournait sur la courroie. Eh ouais. Je suis con ou quoi? On va mettre du... On n'a pas du... de l'adhésif? Putain, pour retrouver un vase, il faut un vase qui s'adapte à peu près, quoi. Ah, putain. Je répare un bout. Ah, putain. Là en fait faut prendre le levier comme ça, tu feras le dessus et après tu mets marche arrière comme ça là. Donc là tu enlèves la marche arrière, hop, première, et là c'est parti. Là venez bien les gars. Bien sûr. Big up la bagnole, putain, qu'est-ce que vous avez les gars? Allez. Mec.
les roues qui est mal équilibrant. Ça me l'a fait une fois, ça. Bah, c'est pas le moteur. Et puis ça s'est arrêté, alors. Les goujons, ils sont bien serrés. Bah normalement, oui. Ça me l'a fait une fois, ça. Je suis arrêté, je n'ai jamais trouvé. J'ai redémarré, ça me l'a fait plus. Warning, warning! Oh merde! Bon bah écoute, on va s'arrêter là. Non, je crois que c'est bon là. À plus de 2002. Ouais. Au-delà de 2002, elle chauffe. Donc je le sais. Moi, je passe, je la pousse pas, je suis en 3e, 4e. Oui, voilà. Après, la poussée à bas régime, ça fait chauffer aussi. Hein. Ouais. La poussée à bas régime, ça fait chauffer aussi. Ouais, ouais. Ah non, si tu lâches le doigt. Non, non, il tourne là. Bah, il tourne. Ah, il tourne là. Attends. Non, non, il tourne. J'en ai pas, il est possible qu'il y en avait un et que j'ai perdu. Tu vois, ça arrive, j'ai perdu. Non, des plombs quelquefois d'équilibrage. Tu vois, là, il y en a un derrière. Vas-y, pas faire des images. Tu vois, là, il y en a un gros, là, tu vois. Là, à l'avant, là, il y en a un gros, tu vois. Là, tu vois. Ça, c'est pour équilibrer la jante. Parce que comme il y a ça, je crois que c'est pas la même masse des deux côtés, donc ça c'est fait pour équilibrer.
Et du coup, sauf que là, problème, il en manque un ici. C'est peut-être pour ça que... Souvent, moi, avant de démarrer, tu vois, je mets le ventilo. Comme ça, je l'entends. Je sais qui tu es. Tu vois, là, j'ai l'impression qu'on n'est pas peut-être en haut. C'est possible, oui, parce que c'est pas normal. C'est des ressorts à lame, hein. Ouais. C'est les box, tu peux montrer le pont aussi. Voilà, c'est un pont. Hein. Je sois sûr, mais j'avais monté mon ventilo. J'ai remonté un ventilo en direct, volontairement. Après, si tu veux, hein, c'est bien, tu peux l'emmener dans le garage aussi. Tu vois, les gars du club, aussitôt qu'ils l'ont vu, ils m'ont dit c'est tel truc. Tu vois, c'est un mode, ouais. Tu vois, c'est MG et puis. On va faire couper au montage. On met à la roadster, je peux montrer la plaque. Attends. Voilà. Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à. C'est une expérience à vivre, cette voiture-là. Même quand j'ai une vieille 205 diesel. Ce truc-là, bah, ça va pas faire. Je vais la reprendre là, peut-être. Moi, je vais remonter. Je vous invite tous, les passionnés de voiture, voilà. Goûtez, même si vous aimez les Golf 7 automatiques, tout ça, vous voyez, si vous savez conduire ça, vous savez conduire tout. Ça, c'est, ça n'a pas de direction assistée, pas de synchro, c'est chaud. Voilà. C'est un truc à faire. Les vieux à l'époque, ils le faisaient, donc pourquoi on n'y arriverait pas. En plus, elle n'est pas si vieille que ça, hein, elle est de 1989, on avait sur la plaque. C'est une sécurité basée. Wow. À un moment, j'étais à 90 au compteur quand je suis. Ah, tu fais vous enchaîner les rapports comme ça et la 4 ouais, mais c'est vrai que quand tu passes les rapports. Ouais. Ah, je me rendais pas compte de la vitesse. Ouais, 200 mètres par heure. Ah, c'est en mal. Non, par contre, c'est super. Là, les gars. C'est la fin de cet essai. Voilà, c'était beau. Super essai. Route des plages. Je vous invite à la visiter si jamais elle ne s'est pas délaquée. C'est pas d'ici d'ailleurs. Et ils sont complices. Voilà, après bon, 14 000 euros. Non, complètement. C'est le prix pour souffrir ça. Une Caterham, c'est 50 000.
C'est un autre tarif. Ouais. Mais on peut se faire plaisir avec 14 000 euros. Donc imaginez, vous rabattez ces sièges-là, vous mettez 10 cadavres. Sont pris. Ce soir, l'oreille, c'est dans la poche. Elle vient